Seigneur, devant ta face. Nous savons, Seigneur, que tu nous as précédés, Seigneur, et que tu es là, Seigneur. Nous désirons que tu prennes le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme, Seigneur. Nous sommes venus te voir, toi. Nous savons que tu nous as conviés encore, Seigneur, à un merveilleux rendez-vous, Seigneur. Oui, Seigneur. Le psalmiste, Seigneur, a été inspiré, Seigneur, par le Saint-Esprit. Ô Père éternel, qu'il est bon pour des frères de pouvoir demeurer ensemble. Oui, en effet, Seigneur Jésus. Père éternel, il est bon, Seigneur, d'être unis en Jésus. Il est bon, Seigneur, Seigneur, Père éternel, que tu sois le premier dans notre vie, Seigneur. Qu'en toute chose, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur, nous confier en toi, Seigneur Jésus. Ô Dieu. C'est le choix, Seigneur, que nous avons désiré faire, Seigneur, encore aujourd'hui. Amen. Que ce soit toi le premier dans nos vies. Amen. Que ce soit, Seigneur, toi le premier, Seigneur, dans l'Église. Amen. Que ce soit toi, Seigneur, le premier, Père éternel. Ô Seigneur, pour toutes choses, que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Non pas à un homme, Seigneur, mais à toi seul soit la gloire, l'honneur. Et la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que vous asseoir, vous bénissez. Je pense que hier soir, nous avons passé vraiment un moment merveilleux. Amen. Un moment au-delà de toute espérance et tout espoir. Quand tout s'écroule autour de nous, nous avons pu voir hier que Dieu était vivant. Amen. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Alléluia. Que le temps des miracles n'est pas terminé. Et qu'il est réellement le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis ce matin de vous avoir là, de vous voir tous. Oh, il y a encore certains qui sont peut-être sur la route. D'autres seront là en début d'après-midi, les frères et sœurs de Charleroi. Nous voulons nous attendre encore à des moments de bénédiction. Et je ne demande pas plus qu'hier. C'était tellement puissant hier. C'était tellement merveilleux. Dieu soit béni. Vous savez, nous ne disons jamais assez merci à notre Seigneur. Il est si bon. Il est merveilleux. Et certains pensent que Christ est mort, que Dieu est mort, que les chrétiens sont morts. Alors je vais vous dire tout le contraire maintenant. Satan est mort. Le méchant est mort. Les religions sont mortes. Les dénominations sont mortes. Christ est vivant. Amen. Il y a 2000 ans de cela, à peu près, il y avait une femme remplie de l'Esprit. Une femme que le Seigneur a aimée. Elle est allée au tombeau et elle a vu que la pierre avait été roulée. Jésus n'était plus lui-même. Il était ressuscité. Amen. Vendredi dernier, il était sur la croix. Et le dimanche matin, il était ressuscité. Amen. Il était revenu parmi les siens. Oh, certains ont eu du mal à le croire. Il a fallu que Thomas voie les mains de Jésus percées et ses pieds pour croire. Mais nous remercions le Seigneur parce que nous avons cru sans voir ces choses. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. C'est un moment de réjouissance, mes bien-aimés. Je sais que certains ont fait une longue route. En plus, la nuit a été courte. Hier soir, nous sommes partis, il était minuit, donc avec l'heure en moins, ça faisait une heure. Donc on a peut-être dormi un peu moins, mais je pense que le Saint-Esprit va nous réveiller ce matin. Il est là, au milieu de nous. Amen. Dieu soit loué. Nous avons parmi nous le frère Léonard qui est là. Il a voyagé beaucoup ces derniers temps. Et je lui laisserai la place tout à l'heure pour la parole de Dieu.
Je sais que j'ai pas mal de petits billets en disant on veut chanter pour la gloire de Dieu, que ce soit la forêt de Bruxelles, que ce soit d'autres. Donc on va essayer de gérer tout cela. Et, mais que le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, elle doit être avant toute chose la première dans nos vies. L'homme ne peut pas simplement eh bien, se nourrir que de pain. Il doit aussi se nourrir de la parole de Dieu. Et surtout se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Amen. Et après, je laisserai les jeunes qui veulent chanter, peut-être les moins jeunes qui veulent chanter pour la gloire de Dieu, parce que c'est une harmonie. Tout va ensemble. Amen. La louange, la prière, l'adoration, les chants aussi, puisque ce sont des dons que le Seigneur a mis et des talents dans le cœur des enfants de Dieu, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. Hier, ça a été merveilleux. Les chants ont été vraiment splendides et je bénis Dieu pour cela. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera quelque chose de merveilleux encore aussi. Amen. Et j'avais voulu chanter hier, c'est pour ça que j'ai demandé au chorale de Bruxelles et à celle de chez nous et que quelques autres frères qui est ce genre Douchariot. Et à la fin de la réunion, un frère de Bruxelles est venu vers moi et dit « Oh frère, quand j'ai entendu ce chant merveilleux, j'étais au ciel. » Amen. Je pense que le ciel, hier soir, était au milieu de nous. Dieu était là, mes bien-aimés. Les anges se réjouissaient avec nous et tout a été merveilleusement bien ordonné. Amen. Vous savez, quand on se confie en Christ, je crois qu'il... Il fait des choses. Quand je dis je crois, c'est pas je pense. Hein. Je crois, c'est-à-dire j'ai la certitude que Christ est au milieu de nous. Amen. Alors plus rien ne peut se mettre sur notre chemin. Alléluia. Car Dieu avec nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui donc sera contre nous ce matin? Amen. Il est le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Alors, aujourd'hui, comme je disais hier, parce que je pensais que c'est, ça partait un peu follement, alors je vous ai dit, et vous vous rappelez, oh, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Amen. Dieu soit loué, mes bien-aimés. Vous allez entendre la parole de Dieu, la parole de vie. Alléluia. Car Dieu, ce matin, a un message tout particulier pour chacun d'entre nous. Peut-être que quelqu'un dans l'assemblée va être touché encore plus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais, avant que le frère prenne et chante, nous fasse chanter quelques chants, lire un psaume. Psaume 149, qui est court. C'est un hymne d'adoration des fils de Sion. Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges à l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir. Ouais. Que le Seigneur soit béni encore cette journée. Amen. Et nous avons pu nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous, et peut-être certains diront bien
Tant mieux pour lui, pour cet homme qui est monté sur la croix et qui est ressuscité. C'est bien pour lui, là encore, ça va nous interpeller. Mais nous, ce matin, nous sommes dans la joie, parce que nous avons chanté hier notre espérance, et nous savons que lorsque nous pouvons regarder à la croix et que nous rappelons de ce que Jésus a subi pour chacun d'entre nous, c'est pas l'homme, c'est pas Dieu, l'homme que nous voyons, c'est nous-mêmes, puisque nous devions être à sa place. Et si lui-même il est ressuscité, c'est que nous aussi, si nous confions réellement en lui, si nous croyons que nous espérons dans la puissance de son nom, alors nous aussi nous ressusciterons avec lui. Amen. 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 Quelle merveille il va me sauver quand de sa croix je me fais chasser. Oh, moi Jésus m'a couvert à son nom la croix. À son nom la croix. À son nom la croix. Oh, moi Jésus m'a couvert. Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a marché ici il y a plus de 2000 ans de cela maintenant, il est venu en homme de douleur pour mourir pour chacun d'entre nous et il est ressuscité. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin de savoir qu'il y a un Dieu vivant qui est là au milieu de nous, qui est là chaque jour à nous accompagner. Et le chant que nous avons chanté dit « En moi Jésus vint pour demeurer », pas juste pour une courte histoire de quelques jours, ou quelques ressentiments que nous aurions pu sentir dans la présence peut-être de bien-aimés. Mais tous les jours de notre vie, le Seigneur nous a fait la promesse d'être avec chacun d'entre nous. Amen. Et nous voulons lui rendre grâce encore pour ses bienfaits. J'aimerais chanter de chanter en rendant grâce au Seigneur. Amen. C'est l'oiseau qui a voulu aller essayer de défaire les clous quand notre Seigneur était attaché sur cette croix, puisqu'il avait reconnu, lui, cet oiseau, que ce n'était pas le coupable qui était sur la croix, mais c'était le Dieu Tout-Puissant qui se faisait pécheur pour chacun d'entre nous. Et cet oiseau est venu à essayer, mais il n'a pas réussi. Et l'histoire qui est racontée aux enfants, c'est que ça explique pourquoi il est taché du sang. Ce n'est pas le sang de l'oiseau, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui se plaît à chanter le rouge-gorge, la louange envers notre Dieu. Et en chantant ce petit cantique, j'ai pensé à ça ce matin, Seigneur m'a mis ça dans le cœur, c'est
de pouvoir être comme cet oiseau, que nous puissions vraiment chanter l'amour de notre Sauveur, l'amour de notre Rédempteur. Amen. Il a fait vraiment quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Que nous ne puissions pas être des enfants qui oublient, qui ont goûté les bonnes choses, les bienfaits de notre Dieu, et puis qui repartent d'une façon, je dirais, ingrate. Mais que nous puissions réellement ouvrir notre cœur ce matin. Le Seigneur veut le remplir. Si réellement nous avons soif et faim de lui ce matin, amen. Nous allons chanter ce chant. J'aimerais vraiment que vous puissiez reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et que vous puissiez le louer à travers ce chant. Amen. Se réjouir, mais nous voulons aussi nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Il nous a fait la promesse d'être au milieu de nous. Si nous étions assemblés à deux ou trois, et nous sommes plus que deux ou trois ce matin, le Seigneur tient sa promesse, c'est un Dieu véritable, un Dieu fidèle, et nous savons qu'il est au milieu de nous pour nous parler, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous enrichir vraiment de sa parole et nous fortifier par son esprit. Amen. Nous voulons ce matin lui rendre toute la gloire, tout l'honneur, puisque c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il n'y a pas d'autre. C'est pas le président de la République qui est capable de ressusciter pour nous, de prendre nos fautes pour lui-même. Au contraire, ils ont déjà du mal à assumer, je dirais, leurs fautes, puisque quand il y a des petites histoires comme ça cachées en politique, bien souvent, ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Alors, c'est pas la plus forte raison pour prendre nos fautes à nous. Mais lui, le Seigneur, qui était digne, qui était innocent, il a pris nos fautes, il s'est fait pécheur pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, nous voulons encore l'honorer et l'adorer. Amen. Nous pouvons chanter le cantique suivant. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Amen. Amen. Ce chant nous dit gloire, ses élus l'acclament. Il y a beaucoup d'appelés, mais quand tu es élu,
le nombre est plus restreint. Mmh. Et que le Seigneur puisse toucher votre cœur. Je vous laisse chacun et chacune considérer vraiment dans vos pensées, dans votre cœur, ce que le Seigneur a fait pour vous et savoir de quel côté de la barrière vous êtes. Avez-vous simplement été appelé? Ou alors le Seigneur un jour vous a parlé et vous sentez que vous êtes les élus de Dieu. Amen. Et les élus de Dieu veulent acclamer à chaque fois qu'ils sont assemblés à quelques-uns, à chaque fois que le Seigneur leur fait goûter ses bienfaits, ces élus l'acclament et veulent le louer. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Et nous acclamerons le Seigneur à travers ce cantique merveilleux, ces paroles merveilleuses, inspirées par notre cœur, que nous puissions apporter toute l'adoration, la reconnaissance à notre Dieu. Amen. De notre bouche, mais que notre cœur puisse vraiment être ouvert devant la grandeur de notre Dieu, qui puisse répandre vraiment les paroles de grâce et de reconnaissance pour notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. J'aimerais chanter encore avec vous un cantique merveilleux. Nous nous rappelons à travers ce chant de ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce chant nous dit que c'est lui qui a subi le châtiment. Amen. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a pris notre châtiment. Amen. Il a pris mon châtiment. C'est moi qui étais coupable. Puisque la Bible déclarait que réellement, si nous ne marchions pas dans les voies du Très-Haut, eh bien, nous étions considérés comme pécheurs, comme coupables. Et malgré tout, c'est lui qui a donné sa vie. C'est pas moi qui ai donné la mienne, mais c'est lui qui a donné sa vie pour moi, afin que je puisse être sauvé et que je sois là au milieu de vous ce matin. Amen. Ce sont dit que Dieu, dans son incomparable amour, a envoyé son Fils unique. Amen. Et le châtiment qui produit la paix, c'est Jésus-Christ qui l'a subi. Non pas simplement pour sa gloire à lui, mais pour mon âme, à moi. Amen. Et nous voulons eh bien, donner toute la gloire à Dieu, le remercier pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Amen. C'est le juste retour que nous pouvons rendre à notre Dieu, ce chant nous dit. Nous voulons un retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Amen. Et j'ai apprécié le cantique des sœurs de Serre de Bruxelles hier soir qui chantait que Jésus nous a aimés. Et en retour, nous l'avons adoré. C'est encore plus beau. Amen. Que nous puissions adorer ce matin le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Let's go.
Thank you.
un dernier cantique parmi lequel nous pourrons louer et adorer notre Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il nous donnait tout pour nous, parmi lequel nous puissions être sauvés. Dans le ciel, du ciel, il n'y a aucun nom. C'est seulement le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter, à vous lever, pardon, pour chanter avec nous ce cantique. Et je demande aux frères préposés pour l'offrande qui puisse passer pour l'offrande dans les rangs. Et nous chantons quel bonheur que celui de Marie, c'est-à-dire Dieu parmi nous, et nous croyons qu'il est présent au milieu de ce matin. Amen. Thank you.
chanter. Je demanderai à la chorale de Bruxelles de venir chanter, puisqu'ils m'ont laissé. Voilà. Écoutez, voilà la parole de Dieu. Ceux qui ont désiré chanter pour la gloire de Dieu, ne vous inquiétez pas, chantez aussi. Comme Jésus.
Il y en a des gens qui négligent, qui disent, écoutez, ce n'est pas tellement nécessaire. Pourquoi on doit réellement aller se retrouver ensemble? Et quel est le but, effectivement? Je crois que le but, c'est toujours la communion. D'avoir effectivement ce contact avec ses frères, avec ses sœurs, et de pouvoir réellement aussi se rejouer ensemble dans la présence de Dieu. Oh, si nous pouvions vraiment comprendre et surtout connaître la volonté de Dieu à notre endroit, je crois que notre façon de considérer les choses de Dieu serait tout à fait différente. Puisse vraiment le Seigneur nous aider à pouvoir sortir davantage de notre train-train de tous les jours, effectivement, et des habitudes dans lesquelles nous nous sommes beaucoup plus apaisantis pour entrer vraiment dans le chose de Dieu, dans la vie véritable, effectivement, de croyants, de fils de Dieu, de peuple de Dieu, afin que nous prenions vraiment plaisir aux choses qui sont faites conformément à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Vous savez, quand on est un fils de Dieu, on l'est devenu parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et le Seigneur et sa parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu a pris une très grande place, effectivement, dans votre cœur, et vous aimez maintenant le Seigneur, vous aimez sa parole, vous voulez faire effectivement ce que lui, il vous demande de faire. Vous prenez plaisir à lui plaire, c'est-à-dire en obéissant à sa parole. Donc quelque chose est fait selon la volonté de Dieu, alors chaque véritable enfant de Dieu prend plaisir à cela. Et il veut aussi participer à cela parce qu'il sait qu'effectivement c'est ce que le Seigneur veut effectivement. Nous avons besoin réellement de pouvoir apprendre davantage des choses de Dieu pour que nous passions effectivement de cet état effectivement de lassitude en réalité dans un état d'une vie véritable, d'une réjouissance dans les choses de Dieu et dans la parole de Dieu. Oh, combien lorsque nous pouvons nous souvenir encore quand ses disciples étaient sur le chemin de Emmaüs et marchaient. Et qu'ils aimaient tellement le Seigneur, certainement. C'est vrai, ils étaient toujours constamment, parce que leur pensée était tournée dans ce qui venait de se passer. Et alors, ils s'est approchés d'eux, ils parlaient avec eux. Ils étaient vraiment tristes, parce que ce n'était pas parce qu'ils avaient perdu de l'argent, ils avaient perdu de biens, non. Parce que c'est lui qui leur rendait la joie, en fait, effectivement, qui réjouissait leur âme, qui faisait leur bonheur, mais n'était plus, en fait. Comme Pierre l'avait dit, je vous l'avais. À qui il ne nous d'autre qu'à toi, parce que c'est de toi que vient donc les paroles de la vie. Et alors il parlait effectivement à triste et dit, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez aussi triste? Il a dit, mais es-tu le seul séjournant à Jérusalem? Ne sera pas ce qui est donc arrivé. Alors quand maintenant le Seigneur a commencé à leur parler, et oui, il sentait qu'il y avait quelque chose de différent de tout le monde. Et puis à ce moment, quand il a disé le pain, effectivement, qu'il a disparu, je dis, mais notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Donc, quand il s'agit de choses de Dieu, effectivement, auxquelles vous avez donné votre cœur et votre âme, et que ça s'est fait selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu, votre âme prend plaisir à cela. Si vous êtes indifférent, ça veut dire que vous êtes encore mort. Lorsqu'on vit, on ne peut pas rester indifférent. D'accord. Quand on parle, effectivement, on se réjouit en unité, parce que ce sont les choses pour lesquelles. Qu'est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, un croyant véritable, un fils de Dieu peut aujourd'hui vouloir dans ce moment? Des maisons, de l'argent, de la voiture, des vêtements, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Je crois que le cœur d'un véritable fils de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le moment le plus glorieux, le moment de joie, de réjouissance, c'est quand il peut se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. David disait, je suis dans la joie. Amen. Pas quand on dit, mais tu vas recevoir de l'or, de l'argent. Non, quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Il faut que les choses changent dans notre vie. On doit réellement prendre conscience qu'effectivement, que si nous sommes des croyants, nous sommes différents. Et notre façon de penser, de voir et de concevoir les choses doit être aussi différente par rapport aux êtres humains sur la terre. Parce que nous avons la connaissance exacte des choses et puis nous savons effectivement, par la grâce de Dieu, comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, nous cherchons à pouvoir faire ce qui plaît à notre Dieu afin que nous puissions échapper comme nous en ces temps-là aussi. Lèvons-nous.
ou prendre dans le livre de Osée, au chapitre 6. Je pense que c'est ça. Nous prenons Osée, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Osée, chapitre 6. Verset 1 à 3 dit: Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Monsieur Sauvant, je voudrais vraiment te remercier de tout mon cœur, de toute mon âme, pour cette grâce de pouvoir me tenir en ces lieux et de pouvoir, oh Dieu, avoir communion avec ton peuple Père. Et je te remercie encore pour ton serviteur, mon précieux frère Yves Père. Je prie vraiment, Père Saint, pour que tu le bénisses, mon roi, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, que tu le récompenses encore, oh Dieu, au-delà de ses attentes patrimoniales, pour ce qu'il fait, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'amour qu'il a pour ta parole à toi et pour ton peuple aussi, bien-aimé Père Saint, avec tous les efforts qu'il fournit, Père, afin que ce peuple puisse aussi arriver à pouvoir entendre ta voix et avoir une communion et savoir pouvoir marcher avec la Père. Béni son Église, béni aussi sa famille, notre Dieu. Soutiens le Père dans ce ministère que tu lui as donné la grâce d'avoir. Bénis-nous encore pendant ce temps, Père, que nous sommes rassemblés en cet endroit. Pour réellement entendre aussi ta voix, Père. Oh Dieu, tu as vu aussi nos frères qui sont venus loin, comme mon frère Marcel, sa famille, tant d'autres personnes, tellement de loin, Père, pour prendre part à cette réunion, Père, et nous te prions de pouvoir aussi le bénir. Bénir chaque frère et chaque soeur qui est venu en ces lieux, Père du Bissant, entre les mains. Tu connais ton peuple à toi, ma soeur, Dieu, chaque frère, c'est en ces lieux, de Père, tu les connais aussi, Père, que tu le bénisses, que tu le fortifies, car nous t'avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon précieux frère, je vais vous demander de pouvoir juste peut-être rendre un petit témoignage pour le voyage que j'ai effectué. Par la grâce du Seigneur, j'ai été donc dans ce pays. D'abord, j'avais fait un voyage dans un pays en Afrique, c'est le Malawi. Là, j'avais reçu juste une invitation. C'est une église, un rassemblement des églises, une dénomination. Donc, le responsable, donc, m'a écrit en disant, voilà, qu'ils ont été conduits par le Seigneur, je ne le connaissais pas, conduits par le Seigneur à m'inviter dans leur pays pour que je puisse arriver à pouvoir leur apporter la parole et leur apporter effectivement aussi l'enseignement. Donc, je dis, si c'est le Seigneur qui vous a conduit à pouvoir m'inviter, pour moi, il n'y a pas de problème. Et alors, je puis prendre l'avion et je suis arrivé effectivement. Effectivement, c'est une dénomination avec plusieurs églises. Donc les églises sont en grand nombre à Malawi et puis d'autres parties aussi jusqu'à Mozambique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque ils m'ont invité, ils ont rassemblé tous les pasteurs de toutes les églises effectivement, et tout le monde qui était là donc, dans un lieu auquel effectivement ils m'ont dit, voilà, nous voulons que vous nous enseigniez la parole de Dieu, vous nous prêchez parce que Dieu nous a conduit à pouvoir vous appeler vous pour que vous puissiez nous apprendre effectivement, nous apporter la parole de Dieu. Alors je dis, bon, il n'y a pas de problème. Donc j'ai commencé à pouvoir apporter la parole depuis les jours où je suis arrivé. Donc on a fait, je crois, j'ai fait une semaine que je suis comme ça, donc 14 jours. Et j'ai apporté la parole de Dieu, et jusque vers la fin du jour, effectivement, donc d'abord de la réunion, le Seigneur a agi tellement d'une manière puissante que le Saint-Esprit a rempli la pièce, la puissance est tellement si puissante que les prophéties ont été données. Ils ont pu vivre en fait des moments tout à fait particuliers, dans le sens que quand on a terminé ces rassemblements, tous les responsables, le président, les chefs des églises, effectivement, et tout ça, avec leur structure d'église, ils se sont rassemblés, ils m'ont dit, voilà, on voudrait vous voir pour parler avec vous. Je suis rentré dans la pièce où vous étiez. Ils m'ont fait l'historique de l'église, effectivement, avec toutes les églises qui étaient là. Avoir une grande église avec les différentes églises. Ils m'ont dit, voilà, ce qui s'est passé avec nous, ce que nous ne connaissions pas, mais
Dieu nous avait conduits à pouvoir t'appeler. Nous t'avons appelé, tu es venu parmi nous. Nous avons entendu la parole que vous nous avez apportée. Et c'est vrai, quand vous écoutiez, on a regardé les Saintes Écritures, on a vu comment c'était l'apôtre Paul en son temps. Et nous avons non seulement entendu la parole de Dieu qui a touché nos cœurs, parce que ce sont des choses que nous ne connaissons pas, Dieu nous a vraiment ouvert les yeux, mais non seulement que nous avons entendu vraiment la parole, nous avons vu aussi Dieu confirmer ce que tu as prêché. Alors nous voulons te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui là, dans notre structure de l'organisation, nous ne voulons plus faire quoi que ce soit. Toutes les églises que vous voyez qui sont donc sous notre responsabilité, nous vous donnons donc la responsabilité. Donc nous aujourd'hui, nous nous reposons maintenant sur vous, et c'est vous qui devrez maintenant nous prêcher l'évangile pour que nous sachions maintenant comment servir Dieu dans toutes ces églises. Dieu notre Seigneur est encore aujourd'hui. On a l'impression que rien ne se fait, mais en fait c'est parce qu'on regarde très mal. L'évangile avance, la puissance de Dieu continue de pouvoir agir. Dieu appelle effectivement pour que ceux qui étaient dans les ténèbres viennent donc à la lumière. Donc, j'ai aussi reçu donc toujours à Myanmar, donc en Asie, ça c'est en fait l'ex-Birmanie. Là aussi, comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, je ne prie jamais, je n'appelle jamais, mais c'est le Seigneur lui-même qui se révèle dans des gens dans différents pays. Il a dit, voici, appelez telle personne, effectivement, il montre ma photo, ce que j'ai la vision, et puis il le dit, il dit, bon, je ne connais personne, j'arrive là, mais c'est le Seigneur qui s'est révélé à nous, et qui nous a conduit, mais là, il a montré la photo, même les éclairs, il nous a voulu avoir vous appeler pour que vous puissiez, et je suis parti. Donc là, je viens de rentrer de Myanmar, en Birmanie, où je prêchais la parole de Dieu. J'ai oublié, mon frère m'avait parlé, et j'avais demandé à ma fille, je voulais pas me demander de voir, faire la compilation des photos pour que vous puissiez voir combien Dieu est tellement merveilleux dans sa façon de faire les choses. Beaucoup d'âmes sont vraiment sauvées. Et beaucoup, on dit, quand je suis parti là-bas, des bouddhistes ont ouvert leur cœur, ils ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, et ils ont été baptisés. Et Dieu est vraiment dans ce œuvre, effectivement, à tel point que maintenant les portes sont grandement ouvertes, non seulement à Yangon, la capitale, à Calais où j'ai été aussi, mais encore maintenant dans Chin State, un peu plus loin, encore dans les grands endroits. Donc, la parole de Dieu pénètre et Dieu travaille, les portes s'ouvrent, et beaucoup d'âmes sont sauvées, et beaucoup aussi sont guéries. Donc, chaque fois que je rentre, ils pleurent tous, ils veulent effectivement que je reste, mais là, ils veulent que je retourne, que j'ai encore plus, beaucoup plus de temps, effectivement, pour que Dieu puisse continuer à pouvoir agir. Donc, aujourd'hui encore, le Seigneur, notre Sauveur, continue de pouvoir appeler ceux qui traînent le pas. Ça, c'est vrai que, effectivement, c'est parce qu'ils ne prêtent pas attention, mais quand la parole de Dieu est apportée, ceux qui sont de Dieu, le cœur sont ouverts, ils le reçoivent, effectivement, et Dieu accompli effectivement aussi sa parole. Nous venons de lire dans le livre de Osée au chapitre 6. Là, nous entendons donc ces cris qui est réellement aussi énoncé comme c'est vraiment un cri de cœur de voir effectivement, et c'est une grâce de pouvoir voir que une telle prise de conscience. Il dit que venez, retournons à l'Éternel. C'est que quelque part, ils se sont donc rendus compte, effectivement, qu'ils étaient éloignés de l'Éternel. Qu'ils n'étaient plus avec l'Éternel. C'est qu'à un certain moment, ils l'avaient abandonné. Mon frère et ma soeur, c'est une grâce, effectivement, quand on arrive à prendre conscience que cette voie dans laquelle j'étais, c'est une mauvaise voie. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y en a de ceux-là qui se disent simplement que je suis chrétien, et bien c'est terminé effectivement. Qui ne remettent pas, qui ne se remettent pas en cause par rapport à la vie même chrétienne selon le Saint Écriture. La chrétienté, on ne la fabrique pas. En fait, on est né en fait. C'est-à-dire que c'est une vie que nous avons. Et cette vie doit réellement aussi correspondre à celui qui l'a donné. Et on a un modèle parfait, c'est dans le sein de l'Écriture de pouvoir réellement regarder ce qui nous ont précédé, ce qui ont été réellement le chrétien, le premier chrétien, comment est-ce qu'effectivement ils ont eu à pouvoir vivre, comment
Est-ce que leur vie était comment? Est-ce qu'ils réagissaient en rapport avec la parole de Dieu? Pour que nous puissions dire, certainement, je suis un chrétien, certainement, je suis sauvé, certainement, Christ vit en moi. Il faut qu'effectivement, que je voie que ce que je suis et ce qui s'est produit en moi est exactement ce que les autres ont été dans le sein des chrétiens, parce que nous voyons que cette vie... Alors, oui, venez donc, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Mais quelle foi, effectivement, hein? Quelle confiance, effectivement, hein? En sachant vraiment que même si nous avons des blessures, nous sommes tellement pas dans les bonnes conditions, le Seigneur est capable de pouvoir nous guérir. Cessons d'être éloignés de Dieu. Loin de Dieu, nous avons vu qu'il y a des calamités, il y a des soucis, des problèmes, effectivement. Si nous retournons à lui, c'est l'incomplet de lui et tout se trouve, non? Donc, si nous retournons à lui, alors, nous avons donc la guérison, effectivement. Il a frappé, mais il bandera, effectivement, nos plaies. Il n'est pas comme un homme. Moi, je suis un homme, je peux être rancuni. Quelqu'un m'a fait du mal, effectivement, c'est difficile de pouvoir, parce qu'il m'a fait dire, je me souviendrai toujours, toi, tu m'as fait du mal. Mais notre Dieu, la Bible dit, venez, c'est vrai que retournons à l'Éternel, notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardon. Il est miséricordieux, compatissant, dans la colère et riche en grâce. L'amour de Dieu n'est pas semblable à l'amour de l'homme. Et quand Dieu, notre Seigneur, pardonne effectivement un homme, il pardonne vraiment. Il oublie vraiment le péché que cet homme a eu à pouvoir commettre. Parce que ce que l'homme a manqué à la voix de Dieu, effectivement, en agissant contre sa volonté, quand l'homme se repent, il vient à dire à son Seigneur, eh bien, le Seigneur pardonne. Et quand il pardonne, il oublie. Il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Alors, il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons donc devant lui. Ça veut rien dire, mais connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Connaître, effectivement, le Dieu en qui tu t'es donné. Le Dieu en qui, effectivement, ton âme s'est appuyée. Le Dieu qui est la source de ta foi, effectivement. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et cette foi est un don qui vient de Dieu. Donc il nous donne effectivement ces dons pour que nous puissions réellement croire ce qu'il dit. Cherchons, connaissons donc à connaître l'Éternel. Il faut que nous le connaissions effectivement. On ne peut pas servir à Dieu d'une manière aveugle. Enfin, c'est Dieu d'une manière aveugle, effectivement. Il faut que nous le connaissions. Nous sachions effectivement qu'il est, comme l'a dit la femme au prix, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Dans nous lisons cette écriture ici, il faut que nous puissions avoir à l'esprit qui a eu à pouvoir exprimer cela. Osée, votre attention s'il vous plaît. Osée qui parle ici n'est pas un prophète des nations. Osée ici, c'était un prophète effectivement d'Israël. C'était en fait Israël, c'était pour le peuple d'Israël que Dieu a eu à pouvoir envoyer des prophètes. Et là, il parle effectivement en disant « Venez, retournons à l'Éternel ». Donc, il s'adresse en réalité à son peuple. Il s'adresse effectivement à Israël, effectivement, le peuple choisi par Dieu et qui s'est réellement détourné du Seigneur. Et lui dit « Mais certainement, nous avons d'abord goûté combien c'est sauvage, c'est Dieu qui est vraiment bon ». Il s'est souvenu effectivement aussi de l'esclavage, effectivement, lequel était leur père, effectivement, ils étaient sans patrie, mais c'est Dieu qui a eu à pouvoir les libérer de cet esclavage, effectivement, pour leur donner la patrie, effectivement, qui est la terre d'Israël. Et quel bonheur, en plus, la Bible dit que c'était un pays où coule le lait et le miel. Donc, un bon pays où il seul tout ce qui est bon. Donc, le choix que Dieu avait fait pour leur père, pour le placer pour eux, était réellement que de montrer que c'était vraiment un Dieu d'amour. Quand il donne quelque chose à quelqu'un, c'est la meilleure chose. Amen. Parce que les gens étaient dans un endroit qui était dans, mais c'est Dieu qui l'avait fait pour Adam.
n'est pas l'homme qui l'avait fait, c'était Dieu. Donc Dieu avait pourvu pour ceux qui est tout autour bien. Et quand il a donné vraiment la terre d'Israël, c'était la meilleure. Le meilleur endroit, effectivement, dit, mais c'est un pays où coule le lait et le miel. Et il a prouvé cela parce que quand ils sont allés dans les esprits, ils ont trouvé qu'il y avait une grappe de raisins qu'ils ont portée sur les épaules de deux personnes qui sont donc sorties et qui sont revenues avec, démontrant que la terre, le pays, est ainsi comme l'Éternel l'avait donc dit. Alors il dit, verset 2, il dit, il nous rendra la vie dans deux jours. Il parle ici, parce qu'il faut que nous comprenions qu'il ne s'agit pas en fait des nations, là dont il est question dans cette écriture que nous venons de pouvoir entendre, il s'agit effectivement du peuple d'Israël. Regardez quelque chose qui est très particulier ici. Il dit ici, il nous rendra la vie dans deux jours. Vous savez, tout de même, effectivement, ce qu'il arrive aujourd'hui avec Israël. Pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, nous pouvons réaliser qu'effectivement, que aujourd'hui où nous parlons, effectivement, Israël est dans un état chaotique comme vous pouvez le voir. Effectivement, parce que Dieu ne travaille pas aujourd'hui avec Israël parce qu'il a tourné son dos. Israël a tourné son regard ici vers les nations. Et nous savons cela. Et bien ici, ça c'est une parole prophétique. Et il parle en disant que il nous rendra la vie dans deux jours. Selon le Saint Écriture, la Bible dit qu'un jour est comme mille ans. N'est-ce pas vrai? C'est ce que la Bible dit. Donc deux jours, ça veut dire dans 2000 ans. Donc, quand la parole de Dieu, une parole que Dieu a prononcée par la bouche de ses prophètes, cette parole doit arriver à pouvoir trouver son accomplissement. Et quand Dieu l'a dit, il savait effectivement. Et la période de temps nous est donnée qu'effectivement qu'il nous rendra la vie dans deux jours. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, nous rendre la vie dans deux jours? Et ça, c'est quelque chose de très important. Rendre la vie dans deux jours, ça veut dire effectivement que, ben, il n'avait plus la vie. Mais rendre la vie, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Romains, je pense au chapitre 11. C'est là que l'apôtre Paul parle de cela. Je pense Romains, chapitre 11. Verset 13. Romains, chapitre 11, verset 13. Il dit. Romains, je vais peut-être vers la partie du verset 12. Il dit. En parlant donc d'Israël, Romains 11, 12. Il dit. Or, si leur chute a été la richesse du monde, vous entendez? Amen. Leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Enfin, si il est possible d'exciter la jalousie de ceux de la race et d'en sauver quelques-uns. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, vous suivez cela? Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'effectivement, parce qu'Israël a été mise à l'écart, donc rejeté des côtés, et alors maintenant Dieu s'est tourné maintenant vers les nations, puisqu'ils n'ont pas reconnu effectivement le Messie. Alors maintenant, Dieu se tourne vers les nations. Alors, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, qu'est-ce que sera donc leur réintégration? Vous suivez ça? Qu'est-ce que sera donc leur réintégration? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que sera donc leur restauration? Donc, quand ils seront ramenés dans leur condition originelle, quelle sera donc leur réintégration? Vous suivez? Sinon, le passage de la mort à la vie. Donc, il nous rendra. Et bien, nous retournons au chapitre 6, il dit ceci, le verset 2, il dit, il nous rendra la vie dans deux jours. Un jour est comme 1000 ans, n'est-ce pas vrai? Donc, un jour, dans deux jours, dans 2000 ans, effectivement. Et si nous comprenons qu'en réalité, il s'agit en fait de la restauration. Je voudrais que vous prêtiez attention. Nous prenons dans
Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2. Joël chapitre 2. Je voudrais que nous lisions effectivement l'écriture que nous connaissons bien. Je voudrais bien que vous puissiez prêter attention, vous frères et sœurs, qui avez déjà entendu la parole, parce que c'est absolument nécessaire pour nous, pour que vous compreniez effectivement l'importance de la parole de Dieu et aussi de l'action de Dieu et de la manière dont Dieu agit, parce que une écriture peut avoir deux applications. Et maintenant, je vais savoir maintenant qu'est-ce que Dieu fait. Dans Joël au chapitre 2, regardez très bien l'écriture et faites attention. Ici, il dit ceci. Nous pouvons lire à partir de quelques pourcents du verset 18, il dit l'Éternel, Joël 2, 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple, et l'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Vous suivez cela? Alors, regardez très bien. Alors, nous prenons maintenant dans au verset 31 dit, terre, ne tiens pas, sois donc dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête de champ, ne craignez pas, car le plein du désert réveilleront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23. Prenez bien attention, dit, mais, et vous, enfants de Sion. Sion, c'est pas la ville de Bruxelles, ou la ville de Paris, ou la ville aux États-Unis. Non, Sion, en fait, il s'agit de Jérusalem. Ah oui, il ne s'agit pas de quelque part d'autre. Sion, effectivement, c'est le nom poétique de Jérusalem. Regardez bien, dit, et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et oui, c'est vrai, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de Belgique ou le Dieu de Paris. Non, 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 c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. En l'Éternel, votre vrai frère. Et oui, alors quand tu dis, oui, et à l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. N'est-ce pas vrai? Retournons dans le livre de Osée au chapitre 6. Regardez une chose. Osée au chapitre 6 que nous avons lu. Je voudrais que nous puissions voir cela. Osée chapitre 6. Alors, regardez bien. Nous lisons le verset 3. Le verset 2, nous l'avons lu. Le verset 3 dit. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Il parle bien de sa venue, n'est-ce pas vrai? Il dit, sa venue est vraiment certaine. Si aujourd'hui nous pouvons réellement regarder, nous qui avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, je crois que c'est aussi un temps pour lui que aujourd'hui, vraiment, nous sommes sûrs et certains que la venue du Seigneur est vraiment très proche. Aussi proche que nous n'avons plus. Alors ici, dans Joël chapitre 2, nous lisons le verset 23, je le redis encore, dit, et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'église et réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Amen. Donc, quand on dit autrefois, c'est comme à l'époque, effectivement. Quand nous lisons ces écritures, effectivement, votre attention, frères et sœurs, nous l'appliquons surtout pour nous qui sommes de la nation, nous l'Église, n'est-ce pas vrai? C'est sûr et certain. Quand on parle de ça, on parle de quoi? C'est de la restauration. Là, on épouse, effectivement. Regardez les choses. Il dit, j'ai compris le verset 24, il dit, les airs s'empliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les guélèques, le asile et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de Bruxelles ? Non. Alléluia. De Paris ? Non. De New York ? Non, monsieur, au milieu d'Israël. Amen. Et je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Ça, c'est la restauration, comme nous le savons effectivement. Cette restauration ici, en vérité, elle s'applique à Israël. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu a une façon merveilleuse de pouvoir faire les choses. Notre histoire à nous, aïe aïe aïe, aujourd'hui en fait en tant que nation, est liée en fait avec Israël. Vous savez, dans les 16 écritures, comme nous comprenons effectivement ce qui en est, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, regardez une chose. Dans le livre d'Éphésiens, parce que l'apôtre Paul a dit que il est l'apôtre de païens, n'est-ce pas, hein, comme nous l'avons lu avec vous dans chapitre 11 de Romains, en tant qu'apôtre de païens. C'est-à-dire que lui, effectivement, l'apôtre Paul était l'apôtre effectivement des juifs en réalité. Voilà. Ici, il ne fait pas effectivement dans les 16 écritures pour montrer dans le livre d'Éphésiens ce qu'il en est. Je voudrais donner un étudiant au chapitre 2, 3, je pense. Chapitre Éphésiens. Premier livre d'Éphésiens. Voilà, nous lisons chapitre 2, dit. Éphésiens chapitre 2, et nous lisons au verset 11. Il montre quelque chose là, il dit, c'est pourquoi vous savez, frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous pouvons être distraits pendant autre moment. Mais quand il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu, je vous en supplie, frère. C'est pourquoi nous sommes tous rassemblés ici, pour que Dieu nous parle. Prêtons attention. Si nous avons nos Bibles avec nous, prenons la Bible et lisons. Mon frère a dit tout à l'heure, on ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Ne pas me regarder moi, regardez les scènes d'écriture. C'est important pour vous, pour que vous sachiez que ce qu'on nous dit est écrit. Donc, les Bibles ne sont pas vraies dans la maison, mais quand on nous invite quelque part, apportons nos Bibles. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, donc nous, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. Les circoncis étaient les juifs. Et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Oui, ils ont été circoncis, comme vous le savez. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc effectivement, on avait quoi ? Rien du tout. Et quand on a lu effectivement dans Osée, effectivement, tout ça, la promesse était pour Israël, donc je vois aussi également aussi pour Israël, parce que je vais vous montrer aussi quelque chose, frère et soeur, pour que vous puissiez voir clairement les choses. Dans Joël au chapitre 2, si nous retournons rapidement pour que nous puissions voir ça. Regardez, Joël au chapitre 2 ici. Le verset 28. Vous vous souvenez quand est-ce que ce verset a été donc cité? Eh bien, c'était le jour de Pentecôte. Lorsqu'il y a eu donc la fusion du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Et alors là, effectivement, que tous ceux qui étaient venus de loin comme de près, effectivement, qui étaient rassemblés, mais quand il y avait Pierre et les autres apôtres, effectivement, qui tutubaient, effectivement, mais ils sont ivres, ces gens. C'est pas possible, ça. C'est à ce moment-là que Pierre, acte chapitre 2, se tient debout. L'écriture, je voudrais quand même me retirer avec vous. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Voilà. Acte chapitre 2. Voilà, verset 16. Alors, verset 16 dit. Verset 15 dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, dans Joël au chapitre 2, verset 28. Après cela, dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, ainsi de suite. Donc,
Cette écriture, c'était donc dans Joël, chapitre 2, verset 28, jusqu'au verset 32. Et ces jours-là, mon frère et ma soeur, les jours de Pentecôte, mais ils étaient rassemblés où c'est? À Bruxelles? Non. À Paris? Non. À New York? Non. C'était à Jérusalem? Amen. Dans la chambre haute, effectivement. Et la promesse est accomplie à Jérusalem. Amen. Sur qui? Pas sur moi, mais sur eux là-bas. Sur le juif qui était là-bas, effectivement, à Jérusalem, effectivement, les juifs qui étaient rassemblés, effectivement. Mais voilà, que pour que nous comprenions ceci, frère, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous devons faire très, très, très attention. Donc, la Bible nous fait savoir une chose, qu'effectivement, que cette promesse ici, qu'on a dit, effectivement, c'était pour le peuple d'Israël. Puisque Dieu, le jour de Pentecôte, il n'a pas accompli ça en Belgique ou bien en Israël, à Paris, je ne sais pas moi, ou à New York, ou je ne sais pas moi, et, ou dans quel pays d'Afrique, ou dans quel pays effectivement du monde asiatique. Non, c'était là-bas en Israël, ou c'est en plus à Jérusalem, donc Sion. Regardez maintenant pour que nous puissions voir, puisque cela, parce que la Bible nous dit une chose aussi que nous puissions comprendre clairement en rapport avec Israël, c'est dans Romains au chapitre 9. Regardez bien. Romains chapitre 9 dit, verset 1, j'ai dit la vérité en qui je ne mens point, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit, et j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être la terre, mais séparer de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc, ils sont donc israélites, et maintenant bien, à qui appartient quoi? L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, et quoi encore? Les promesses. Ce n'est pas à toi ni à moi, non, à Israël. Donc les promesses, il y a à qui appartiennent les promesses, et les alliances, effectivement, et les patriarches. Parce que, mais quand nous prenons le patriarche, effectivement, si on prend Jacob, effectivement, Abraham, vous savez que ce sont tous, effectivement, Israël. Donc les promesses, effectivement, c'est David à qui appartiennent les promesses. Donc, quand on a parlé de la restauration, effectivement, il s'agit d'Israël. Comme Dieu en a montré. Mais maintenant aussi, quand on avait effectivement aussi avec Joël 2, 28, effectivement, mais c'était aussi Israël. Mais quand est-ce que cela aussi est devenu applicable aussi à nous? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le Seigneur des Écritures nous montre ici en disant, verset 37 et 38, il dit, quand Pierre, verset 33 dit, Actes 2, 33 dit, verset 32, pardon. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car la vie ne pourrait monter au ciel, mais il est dit, il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Maintenant, prêtez attention, frère. Il dit, dans la promesse, et pour vous, les juifs, pour vos enfants, les juifs, et aussi pour tous ceux qui sont au loin, nous, les gens des nations. Amen. Donc là, nous sommes écrits aussi, pour tous ceux qui sont au loin, annoncez grandement que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Il a aussi appelé nous dans les nations. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre, mon frère? Regardez bien comme l'apôtre Paul le faisait savoir, que nous puissions voir en vérité, dans notre livre de Romains, Romains, que je disais tout à l'heure, effectivement, que nous devons. C'est Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens. Je parle effectivement où l'apôtre Paul nous montrait que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Vous vous souvenez? Nous religions effectivement pour l'Écriture, dit, verset 11, Éphésiens 2, 11 dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer à Israël, étranger aux alliances, la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous souvenez, pour que vous puissiez réfléchir, vous souvenez, frère et soeur, que la première fois
Parce que tout se passait toujours en Israël. Mais il s'est passé quelque chose. Quand l'ange du Seigneur a visité Corneille, un étranger. Et alors maintenant, là, lorsque Corneille était visité, l'ange lui dit, mais envoie qu'on ait cherché Simon qui est effectivement logé chez Croyant, qui pourra venir, qui t'annoncera des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, quand l'ange est prêt, maintenant, Corneille a envoyé effectivement les gens pour aller chercher effectivement là-bas. Pierre était au-dessus, en prière, évidemment, et puis, vous connaissez l'écriture, il tomba l'extase, il a fait maintenant une dame qui descendait avec tous les animaux et tous les quadrupèdes, effectivement, qui étaient donc interdits par la loi, effectivement, qui ne pouvaient même pas toucher ni manger. Il entend la voix qui dit, lève-toi, tu es mort. Il dit, Seigneur, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et puis trois fois, le Seigneur dit, mais ce que moi j'ai déclaré comme pur, toi ne déclare pas comme impur. Il dit, ces hommes-là qui sont en face, c'est moi qui les envoie. Oui. C'est comme ça qu'il est descendu, il est parti, jusqu'à arriver chez Corneille. C'était chez un païen. Aurait il suivi, pas dans la maison d'un païen, monsieur. Sinon, il serait suivi. Mais là, Corneille, il voit le monsieur, le frère qui rentre, dans sa maison, et Corneille s'agenouille, effectivement, il dit, non, lève-toi. Quand Dieu m'a appris, vous comprenez ça? C'est ainsi qu'il a prêché l'évangile, mon frère et ma soeur, prêchant l'évangile, et tous ceux qui étaient assis dans la maison de Corneille étaient des païens. Amen. Ces gens-là, quand ils ont entendu la parole, ils ont effectivement que le cœur était touché. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont entendu qu'ils peuvent venir pardonner le péché en croyant en lui? Car c'est la parole. Qu'est-ce que l'Écriture dit effectivement? Qu'est-ce que lui dit? Le Saint-Esprit descendit et remplit ceux qui étaient dans la salle. Donc ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, les Juifs ont eu un problème avec Pierre. Il dit, mais comment ça se fait que tu sois entré là-bas? Vous connaissez les chrétiens, non? Amen. C'est pas possible. Regardez, je vous lis rapidement, simplement, dans Actes chapitre 11. Juste rapidement, quelques versets, puis nous retournons dans l'Éphésiens chapitre 11. Actes chapitre 11. Actes 11. Allez-y. Oui. Verset, je prends verset 10 ici. Vous lirez le verset suivant. D'abord, regardez bien. Verset 11, verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, verset, lui adressèrent donc des reproches en disant, mais tu es entré, verset 3, chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. C'est pas possible. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Parce que c'est interdit, ce sont les gens des nations, des perdus derrière eux. Ils ne peuvent même pas avoir le Seigneur, ils ne vont même pas au ciel. Nous, oui. Alors maintenant, Pierre commença à l'exposer, effectivement, il dit, mais voilà, le verset 10, il dit, mais cela arriva trois fois, puis tout fut retiré dans les ciels. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais, et l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme me raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Et qui te dira les choses par lesquelles sera sauvé toi et toute ta maison. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Amen. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifient en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient oui. Donc c'est comme cela, mon frère et ma soeur, que nous devons prêter attention à la parole de Dieu et voir les choses de Dieu. C'est comme cela que cette promesse est devenu maintenant aussi habitable aux nations. Donc cette promesse est pour vous, pour vos enfants. C'est pourquoi, frère et soeur, pour aller dans l'enlèvement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas que je vais à l'église comme ça, je reste là parce que oui, je dis j'ai cru au message. Ça ne signifie rien, frère et soeur. Il faut une profonde relation à la parole de Dieu, que nous devenions parole aussi, que quelque chose de Dieu se passe en nous. Parce que ne peut être enlevé que c'était la terre de Dieu. Mon frère. Donc, on ne peut pas jouer effectivement aux membres de l'église ou bien j'y vais, j'ai pas envie d'y aller. Non, frère et soeur, ce n'est plus le temps de pouvoir supplier un frère ou une soeur de venir, viens à l'église. Non, c'est le temps de pouvoir proclamer l'évangile de Dieu, Amen. La parole de Dieu, pour que ceux qui sont réellement le Fils de Dieu, ils puissent entrer. Amen.
parce que le temps est proche. Ça y est, nous avons eu le temps de pouvoir supplier des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des parents. Venez, croyez, venez. En tout cas, veuillez fouiller le monde, effectivement. Vous savez, frère, on va remplir les églises, effectivement, avec des non-croyants. Ils viennent simplement parce que, bon, peut-être, vous savez, dans certains pays, c'est que les églises des nations font. Ils vous disent, oh, nous avons fait l'évangélisation. Non, messieurs, comme ils ont beaucoup de moyens, ils envoient l'argent pour qu'on achète de la nourriture pour les gens, on paye les transports pour les gens. Évidemment, quand vous dites aux gens que si vous venez, vous allez beaucoup manger, on va manger, les gens viennent pour la nourriture, manger, naturellement. Ils seront là, effectivement, ils écoutent, ils viennent, effectivement, ils disent, mais faites vite, monsieur, parce qu'il est fait midi, je dois manger. Alléluia. Mais vous n'en avez pas, des croyants. De vrais, dis simplement qu'on va vous apporter la parole de Dieu, vous venez de vrais. Les gens qui ont soif, ils viendront. Même s'il faut rester pendant 3 heures. Ils vont rester. Je viens de Myanmar, frère. C'est parce que je dois m'arrêter. Mais je viens de Myanmar, frère et soeur. Des gens pauvres, vous ne pouvez pas. Si je vous montre les photos, je suis allé moi jusqu'au fin fond, mon frère et ma soeur. Vous êtes riche, hein? Tellement si bien, ici, bien, vous avez des voitures, vous déplacez bien, pas de problème, vous le soyez, le matin, vous sortez la bassade de bain qui est tout chauffée, hein, des robinets d'eau qui sont bien du coup de l'eau, et puis même avec un peu de manière. Mais là-bas, frère, c'est ça, je pleurais. Je vis une femme se mettre dans cette maison, effectivement, vous savez, dans quoi ils boivent de l'eau. La bâche ici à l'extérieur, mis là comme ça, l'eau qui tombe, vous pouvez verser là-bas, il y a des petites bêtes à l'intérieur, j'ai la photo. Même des lézards à l'intérieur, ils puissent ça pour donner aux enfants boire. Je pleurais. Vous êtes bien. L'orgueil vous prend. Non, vous pensez que vous êtes aussi comme ça, frère. Non, ces gens-là, mon frère, ma soeur, depuis 8h du matin jusqu'à 20h dans la réunion. J'ai dit, mais frère, l'enfant a dit, non, frère, il veut entendre la parole de Dieu. J'ai dit la vérité, frère. Vous, non, vous, à peine 30 minutes, vous commencez à parler, mais il est trop long, on va partir. Mais là-bas, frère, soeur, depuis 8h du matin. Donc je prêche, je vous dis, mais frère, maintenant, assis, il te dit, mais qui rentre? Non, ils sont restés assis comme là. Après, ils ont remonté du haut de la chaîne, prêcher encore, oui, ils sont toujours assis là. J'ai dit, Dieu du ciel, je pleure, je dis, mais voici les hommes qui veulent donner ta vie pour Jésus. Mais ici, nous, on est pressés, pourquoi? Parce que vous voulez que je termine pour aller manger. Mais c'est la vérité du panneau, c'est vrai. Il devient long, il devient. Vous ne prenez pas attention, mais eux, ils s'approchent. J'ai vu une. Non, frère, je pleurais. Je prêchais la parole de Dieu. La personne dit, et il était à genoux en train de lever les mains comme ça au ciel. Il disait, oh Dieu. Et quand j'étais venu à la réunion, je me suis assis. Une personne âgée de 80 ans, elle est venue, une maman, hein, comme ça. Et s'assied à côté de moi, elle prend sa tête et met sur ma poitrine. Et elle me caresse comme ça. Il dit, merci que Dieu vous ait envoyé. Vous, frères, vous, soeurs, le cœur dur pour entendre. Tellement snob. Et vous pensez aller au ciel. C'est pas vrai, ça. Non, on vous trompe, frère. On vous trompe. Oh, mais de toute façon, vous m'invitez. Oh, j'ai pas le temps. Pas de problème. Tu n'as pas le temps. Quelqu'un d'autre a le temps. Dieu ne peut pas supplier une âme. Il dit, mais assieds-toi. Écoute vos paroles. Prends patience. Le vent que vous la poussez tout le temps à la maison, vous êtes dans la même bas. Et puis, tu. Mais votre âme. L'âme est vie. Ce qui est important pour toi, c'est qu'un jour, le cercueil s'ouvrira. Tu partiras. Tu peux nier, mais le cercueil s'ouvrira. Tu seras mis dans le cercueil. Où vas-tu aller? Amen. Où vas-tu aller? Ta argent ne va pas te sauver. Ta maison ne va pas te sauver. Tout est bien vers les bijoux que tu as. Mais tu ne sauveras jamais. Ça va rester. Où est-ce que tu vas passer ta vie? Tu veux montrer quelqu'un. Bon, croire ses banalités, pas de problème, mais un jour, tu pleuras. Pour qu'on vienne se parler avec la vie, tu venir à l'hôpital là où tu sais très bien. Mais ça va être trop tard. Mais c'est maintenant. Bref, alors il dit. Donc, effectivement, que Dieu a accordé, en fait, la vérité. S'il a la repentance aux païens, pour qu'ils puissent avoir, effectivement, la vie. Comme Pierre avait dit, répandez-vous et que chacun de vous. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, effectivement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour la rémission du péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour les nations. Amen. Bien sûr, effectivement. Parce que les Juifs l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté.
Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Je vais y arriver. Je vais d'abord revenir à Éphésiens au chapitre 2 pour voir comment est-ce que le Seigneur a montré pourquoi cette écriture-là s'applique tant à Israël et aussi à nous. Regardez bien. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul explique tellement si bien. Dans Éphésiens au chapitre 2, nous retrouvons, nous relisons rapidement cela pour ne pas continuer en France. Alors, dit. Verset 12, je dis encore. Donc, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances et la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui avez été sans espérance en votre Dieu, vous êtes maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Comment ne pas nous réjouir, mon frère? Amen. Comment ne pas glorifier le Seigneur? Amen. Alors écoutez bien, il dit, car il est notre paix, lui qui de deux, donc des juifs, des circoncis et des circoncis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui de deux n'en a fait pas. Maintenant vous, auquel les promesses ne sont pas faites, n'êtes pas grand promesse, vous avez promesse, Dieu a été fait à Israël. Puisque maintenant il a fait de deux un, le premier fait à Israël devient aussi le vôtre. Amen. Alléluia. C'est comme cela maintenant qu'on peut avoir maintenant droit maintenant aussi à ce qu'on appelle la restauration. Ce qui a été dit pour Israël, c'est aussi applicable aussi. Amen. Pour l'Église des nations. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Parce que dans les Saintes Écritures, pour que nous comprenions ces choses, on fait aller rapidement. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, l'apôtre Paul a parlé, puis l'apôtre Pierre a parlé aussi, et puis l'apôtre Jacques, ici ailleurs pouvoir aussi parler, et c'est là qu'il nous fait part de ceci, Actes chapitre 15, nous lisons à partir du verset 13, il dit: lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc, Dieu a jeté, si il a jeté le regard, c'est qu'il a tourné le dos à Israël. Et l'Écriture nous dit effectivement que pour quel but? Pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Regardez le verset suivant, il nous dit ici: et avec cela s'accordent les paroles du prophète, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Amen. Amen. Donc, il nous montre qu'effectivement que la restauration d'Israël doit avoir lieu, parce qu'il dit: je relèverai, c'est-à-dire que je restaurerai, je rétablirai de sa chute, effectivement. Quand on parle effectivement de la restauration, c'est de ça, c'était comme ça, et ça c'est la chute, non? N'est-ce pas? Rétablirai de paix, c'est comme ça, non? C'est ça, la restauration, vous faites ma soeur. Ça veut dire qu'effectivement que Israël, dont nous voyons aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe effectivement, ben, doit absolument aussi avoir sa restauration, être restauré dans sa condition originelle. Mais regardez, frères et sœurs, l'Écriture nous fait savoir que Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui porte son nom. Comme nous sommes donc parlés, nous avons vu effectivement que de deux, on a fait un, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Dans Joël chapitre 2, verset 28, c'est accompli où c'est? À Jérusalem. N'est-ce pas? L'Église a commencé par Bruxelles, par Paris, par New York, par Chicago. Non, monsieur, à Jérusalem. C'est là qu'on a vu naître l'Église, effectivement, dont la Bible parle effectivement que je bâtirai mon Église. Ça a commencé là-bas. Oui, monsieur, oui, madame. Et c'est comme ça que la parole, effectivement, est allée parmi les nations. Or, nous avons pu remarquer, effectivement, que depuis les âges, effectivement, parce que quand on parle des âges, Éphèse, Miétatier, Éphèse, etc., il dit, effectivement, il ne s'agit pas, effectivement, d'Israël, il s'agit, effectivement, de tant de nations. Donc, il s'agit, quand on dit, effectivement,
cet âge des églises, effectivement, il s'agit d'une seule église qui passe par cet état. Vous savez. Donc cette église, effectivement, oui, c'est l'épouse de l'église, en fait, l'église des nations. Donc acte 15, 13 a parlé. Dieu a jeté ce regard par les nations pour choisir les nations, un peuple qui porta son nom. N'est-ce pas vrai? Oh, c'était merveilleux, parce qu'effectivement, ce peuple vivait la parole de Dieu. On voyait effectivement Christ dans son épouse. Comme au jour des Pentecôtes. Oui, messieurs, les prophéties, les prodiges, les miracles accompagnaient l'église, mon frère. Parce que le Seigneur a dit effectivement que, oh oui, dans le livre de Marc, je passe au chapitre 16, effectivement, regardez très bien. Marc, au chapitre 16. Je vois que nous pouvons lire. Marc, au chapitre 16. Marc, au chapitre 16. Je crois que c'est ça. Oui. Et là, c'est verset 17. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous me suivez? Amen. On n'a pas dit, voici les miracles accompagneront les prédicateurs de la parole de Dieu. Uniquement, non monsieur, ceux qui ont cru. C'est-à-dire que toi, monsieur, toi madame, qui aujourd'hui tu crois au Seigneur, c'est ta cause. Amen. Donc ces miracles, effectivement, accompagnent les croyants, amen, ceux qui croient. Parce qu'un prédicateur doit d'abord être premièrement un croyant. Amen. Parce qu'il y en a des prédicateurs qui sont des incrédules. Bien sûr, monsieur. Ils vous parlent de Dieu et voient la parole, effectivement, ils ne croient pas cette parole. Parce que leur prédication est contraire à leur vie en soi. Parce que la parole que nous prêchons fait partie de notre vie en nous. Nous prêchons ce que nous avons vécu, que nous n'avons plus comme étant la vérité. Pourquoi ici il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. N'est-ce pas vrai? Oui, monsieur. Oui, madame. Maintenant, ce sont les démons qui chassent les croyants. Que Dieu te bénisse, mon béni, mes soeurs. Ah, qu'il te bénisse beaucoup. Ah oui, c'est vrai, frère et soeur. Regardez, regardez dans quel état nous sommes. On est dans la maison du Seigneur, on apporte la parole de Dieu, les pensées ne sont pas ici. Hein. Les pensées sont ailleurs. Oh, mais il exagère parfois, c'est quand même pas que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est Satan qui vous nourrit. Et puis finalement. Tu te lèves, effectivement, tu dis, mais je suis fatigué. En fait, c'est lui qui t'épouse à moi, qui est l'enfant. La Bible dit que résister à Satan, tu lui vois faire, et il fuira le fond. Mais c'est toi qui fuis maintenant devant lui. Il te dit, mais j'ai pas envie que tu restes ici. Quitte ton. Attends, tu vas sortir. Tu vas partir. Tu dois sortir côté. Ce sont des balivernes. Hein. Ne fais pas attention. Mais il sait que si tu fais attention, il ne va pas résister. Je suis avec Satan. Nous continuons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est vrai, non? Ils saisiront les serpents. S'ils boivent des nouvelles mortelles, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, monsieur. Amen. Et c'est pourquoi j'ai apporté quelques invitations pour la réunion que nous aurons. Je vais nous donner à mon frère pour donner aussi ici, parce que là aussi, il est prévu la prière des malades. Il dit, notre Dieu est toujours le même. Amen. Ah oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu fait des merveilles. Alors, il a bien dit, mais il dit, verset suivant, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Donc l'église primitive avait ça au milieu d'elle. Amen. C'est pourquoi je dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Vous ne voyez pas, et parfois c'est pas un million pour vous, il organise effectivement, c'est difficile pour venir effectivement. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui se passait aussi dans l'église primitive. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout à l'heure. On est tellement dans le formalisme, effectivement, aujourd'hui, que les gens. Mais que Dieu ait pitié de nos frères, qu'il nous apporte la grâce, qu'on sorte, effectivement, de ce que nous sommes pour entrer dans ce corps de Christ, dans la vision de Christ, effectivement. Le chose. Donc, l'église primitive, effectivement, oui, le
Seigneur agissait parce que c'était la parole de Dieu. On peut voir ça effectivement par les dessins qui étaient effectivement à la place des fesses. Comment la lumière était tellement grande. Les disciples étaient tellement dans la joie, ils aimaient la parole de Dieu, ils s'approchaient quand la parole était prêchée, ils avaient les équipes vérifiées. Le cœur brûlait tellement quand parce qu'ils aimaient Dieu. Chaque fois, ils se disaient, quand ils se rencontraient, Maranatha, ça veut dire que le Seigneur vient d'être. C'est comme ça qu'il vivait. Aujourd'hui, on dit, oh, il va venir dans 10 ans, dans 15 ans. Mon frère et ma soeur, il peut venir demain. Amen. Amen. Il peut venir demain. Amen. C'est important que nous puissions être prêts. Souvenez-vous, la parabole du divierge. On disait cela, à la maison. Donc, il peut venir à tout moment sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Mais il faut que nous soyons prêts. Donc, là, on nous montre effectivement comment était donc cette église, effectivement. Et quand on retourne dans les actes au chapitre 2, là, nous voyons effectivement ce que l'église était, mon frère. La Bible dit que tous ceux qui reçurent, verset 40, tous ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ils se réjouissaient, mon frère et ma soeur. Et tous ceux-là furent donc baptisés. On ne forçait personne pour les baptêmes au Seigneur des Christ. Non, monsieur. Aujourd'hui, il faut même presque subir la personne. Mais quoi, ce baptême? Abandonner le baptême trinitaire. Oh non, moi, je suis comme ça, type catholique, effectivement. Mais catholique, tu vas aller en enfer. Là, on ne peut pas les supplier pour être baptisé au nom de Seigneur des Christ. Non, tu venais vous de l'église éthiopienne. Cet homme qui était un intendant de la reine, qui était un ministre intendant, quelqu'un qui avait les moyens. Mais quelle simplicité, mon frère! C'est pas comme de chez nous aujourd'hui, il a un petit poste là-bas, on ne le voit plus à l'assemblée, il devient là, monsieur, on ne peut même pas le voir parce que oui, j'ai beaucoup de travail, puis je suis directeur. Quel directeur? Ce n'est qu'un titre. Demain, on te licencie, tu deviendras comme nous. Tu sais pas dans la tête, directeur, chef d'entreprise, directeur de métier, quoi? Tu es la même personne? Dans la tête, mon frère, dans la tête, moi, je suis. Tu n'es rien, tu es comme tout le monde. C'est simplement dans la tête. Et voilà, lui, sur un homme, tu as regardé, oh là 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 là, qu'est-ce qui était envoyé? Il disait les Écritures. Quand on s'intéresse à Dieu, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Il disait les Écritures, effectivement. Alors, il était tellement content, plongé dedans, il voulait tellement savoir. C'est Dieu qui envoie Philippe. Il y va sur le chemin là, effectivement, à Gaza. Et tu verras, effectivement, il va à la rapide, apporte ce chat. Le monsieur disait effectivement les Écritures. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, si personne ne m'explique. Amen. Comment? Quelle humilité, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, non, je n'ai pas besoin de toi. Non, non, je connais, et puis je sais. Non, non, non. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Alléluia. Et Philippe est monté sur le chat, effectivement, et puis ça s'est appris maintenant. Il a commencé à lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Philippe parlait, lui montrant comment Christ a agi, comment il a vécu les mots, effectivement. Et les chats continuent, le cœur de l'homme brûlé, tout son intérieur, entier, ses pensées, tout était dans la parole. Pas dans ce qui va avoir l'autre. Non, dans la parole. Tout d'un coup, simplement, c'est Philippe qui entend les de dire, mais voici de l'eau. C'est pas Philippe qui dit, je vais te baptiser. Lui-même, il dit, mais voici donc de l'eau. Qui empêche une fois baptisé. Frère et sœur, terminez de supplier les âmes. Oh, il faut arrêter ça. Comme il faut venir vraiment venir. Non, chacun doit avoir soif, frère. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui manquera des âmes. Si Dieu l'a appelé à un ministère, il aura toujours des âmes dans son église. Amen. Vous pouvez abandonner, Dieu en verra toujours. Amen. C'est une parole à la personne, frère. Amen. Donc un pasteur ne peut pas supplier les âmes, s'il vous plaît. Il veut les garder. Non, monsieur, prêchez la parole. Dieu enverra ceux qui sont en lui. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, on achète des âmes. Aujourd'hui, on a des facilités. On ne peut pas prêcher comme ça parce que ah, c'est dur. Frère, ils vont fuir l'église. C'est comme ça. Il faut simplement dire que tout va bien. Vous savez, continuez à vivre comme vous vivez. Puis vous irez au ciel. Dieu est un bon Dieu. Il n'y a pas de problème. Tout va aller très bien. Ça, c'est un mensonge aussi. Alors bon, l'Église, effectivement, vous montrez que vous ceux qui reçoivent acte de l'Église, ceux qui reçoivent de bon cœur sa parole. Alors là, quelque chose, c'est pas ça. Il dit, ils furent totalement baptisés. Il s'est dit, mais, ah non, parce qu'ils ont dit, mais, oh, homme, frère, qu'est-ce que tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Et ils furent baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel meilleur vie. Et la Bible dit sur le même délit, il persévère. Alléluia.
dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'était l'église primitive, effectivement. Ils étaient accrochés à l'évangile pur, prêché par les disciples, les apôtres même qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment peux-tu aller prêcher aux gens? Tu n'as même pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas prêcher là? Les apôtres, avant d'aller prêcher, n'allez pas maintenant. Parce que vous ne serez pas utile à moi. Attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ainsi vous serez mes témoins. Oui, mais c'est vrai, frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui sont derrière la chaîne, effectivement, mais qui n'ont même pas, ils parlent le Saint-Esprit, mais ils n'ont même pas eu l'expérience du Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas cette voyance. Simplement dans les lettres. Mais pas dans l'expérience. Mais l'église primitive, effectivement, c'était. Les Saint-Esprit n'étaient pas une prédication, mais une réalité. Vécu, ils ont vécu, ils ont été là. Ceux qui croyaient, effectivement, de tout leur cœur, ils croyaient la parole de Dieu. Et le Seigneur agissait davantage. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. N'est-ce pas vrai? Amen. Et dans quoi encore? Dans la communion fraternelle. Oui, monsieur, ce qu'il dit tout à l'heure. Mais quand on invite les frères, non, moi je suis dans mes frères et sœurs, on montre quelque part qu'on n'a pas la chose qu'il faut en nous. C'est sûr et certain. Sûr et certain. L'Église me dit effectivement, mais vous savez, quand on parle de je vous restaurerai ce que les Yélek, les Asies, les Gazans ont dévoré. Mais ils ont dévoré quoi? La communion fraternelle. C'est 100% vrai, monsieur. Oui, amen. On fabrique effectivement les choses. Messieurs, ça doit être dans le cœur là, pour se dire, mon frère, j'ai tellement soif de voir mon frère, de voir ma soeur. Si ceci n'est pas en toi, tu n'es pas un croyant. C'est sûr, et certain, frère. L'église, en fait, l'église, donc, les âges, je vais aller vite. Les âges, on a vu combien la parole de Dieu était tellement si puissante. Et puis au fur et à mesure que les années passées, le formalisme, le froid a commencé à entrer dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mélangé ce qui est de Dieu avec ce qui est dedans. Jusqu'à ce qu'on arrive dedans, à l'âge de la lycée. C'est exactement l'esprit de la lycée aujourd'hui. Vous n'avez besoin de rien. Chacun dit, moi je connais. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez nous prêcher? Qu'est-ce que vous allez nous dire puisque nous connaissons? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais quand Dieu regarde et fait dire, mais tu es vraiment pauvre, misérable, avec lui. Tu n'as que la lettre, en fait. Et alors, c'est pour ça, on peut voir aujourd'hui, vous allez quand même vous-même observer, frères et sœurs. Dans les églises, effectivement, aujourd'hui, il y a presque rien des dieux, douteux du monde, mais seulement aussi du nom de Jésus. Et vous avez toujours dit, effectivement, à la chorale, au frère qui chante, mais je dis, faites attention. Quand vous chantez, restez dans les limites de la parole. Amen. N'amenez pas les choses du monde dans l'église. Amen. Parce que sur les YouTube, effectivement, quand on entend l'exemple, oh Jésus, je t'aime. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, frère. Parce que c'est Jésus de la Bible, il te donne la crainte quand même qu'il chante, mon frère. Amen. Et quand il est chanté, c'est des cantiques qui te poussent à adorer Dieu. Amen. Pas les choses qui sont. C'est un meilleur aujourd'hui. Les églises sont mélangées. Amen. On ne voit plus la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. On fait tout comme le monde. Les femmes, les frères, les sœurs, pareillement aussi. Amen. C'est la vérité. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on a mélangé le d'ailleurs avec eux. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, on trouve normal que homme avec homme, femme avec femme, et puis on s'habitue. On va même défendre ça. Oui, mais c'est vrai quand même la religion, mais tout est moderne, mais mesdames et messieurs. La Bible dit qu'effectivement que Dieu créa l'homme, et puis la femme aussi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, regardez-vous comme ça tous les deux, tout sur votre vie? Non, allez et multipliez-vous. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est la Bible. D'ailleurs, c'est comme ça. La femme et l'homme sont faits pour se multiplier. Mm. Bon, maintenant, tu prends homme avec homme. Qu'est-ce qui... Où il y aura la multiplication? Non, c'est vrai, frère et soeur. Regardez quand même, ne fût-ce que ça. Oh, il ne s'aimait rien. C'est... Non, monsieur, c'est pas normal. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait une multiplication en postérité quand même. Vous voulez quand même avoir vos petits-enfants? Et votre
fils va se mettre avec un autre monsieur. Vous ne voulez pas vos petits enfants, il faut des petits enfants. C'est vrai. Oh monsieur, vous êtes vraiment hors sujet. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais dans l'église primitive, ce n'était pas comme ça. L'église primitive, effectivement, s'accrochait à la parole. Même si les lois du monde disaient, maintenant vous devez vous mettre comme ça, parce que si vous ne mettez pas en coupe la tête, ils ont dit, nous, nous acceptons Christ comme la tête. Amen. 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 Alléluia. Le temps de partir, vous savez. Ces hommes et ces femmes, ce n'est pas comme nous, des peureux. Mon frère, il ne faut pas parler trop fort. Mon frère et ma soeur, il faut quand même que le monde sache la vérité. Amen. Notre vie n'a plus de valeur, frère. C'est la vie de la parole de Dieu. Il faut que les hommes entendent ce qu'il en est. Et ça, c'est faux et ça, c'est vrai. On prend dans les églises. Frère, moi, je prêche partout, frère. J'ai dit, mais s'il faut que je meurs pour l'évangile. Mon frère et ma soeur, il faut qu'un jour, on prenne quand même position pour l'écriture. Amen. C'est lui qui aura honte de moi. J'aurai aussi honte de lui. Amen. Je préfère que ma vie soit donnée pour l'évangile. Parce que mes précédents ont aussi donné leur vie aussi pour cet évangile. Car ce n'est pas moi qui vis. Je ne tiens pas compte de ma vie à moi, qu'on m'aime, qu'on me méprise. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que je prêche l'évangile. Donc, chacun de nous. Oh, non, mais il dit, il dit, il dit, il dit, il persévère la semaine d'apôtre et de la communion fraternelle dans la fraction de pain. Vous vous souvenez? La communion de la fraction des pains est dans la prière. Et tout ça, effectivement, on a perdu cela. Le baptême qu'on avait était même un faux baptême. Père, Fils et Saint-Esprit. Trinité. Et jusqu'aujourd'hui, il s'y accroche. Mais quel démon, mon frère? Or, le baptême dans l'église primitive, c'est clair. Et puis, la Bible est claire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'était et tous ceux qui ont cru l'église, comment elle était effectivement, elle était sur le feu. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ils ont même cru à la parole, effectivement. Ils ont été baptisés en son nom. Et ils s'approchent et ils ne vivent que pour lui. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit. Voilà comment était l'église. Effectivement, tout ça était perdu. Et comme Dieu a fait de nous, effectivement, dès de 1, la promesse de la restauration pour Israël est aussi valable pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Nous lisons ici l'écriture. De verset 11, verset 9, il dit, comme Matthieu 17, verset 9, il dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Amen. Alors, nous comprenons quand nous lisons ces écritures qu'effectivement, il y a un rétablissement de toutes choses. Si vous réalisez maintenant les écritures, on va avoir maintenant une vue claire des choses. Quand vous prendrez, même chez vous, parce qu'on n'a pas le temps maintenant, dans les Actes chapitre 3, verset 19, vous remarquerez une manière particulière que le Saint-Esprit a conduit son serviteur Pierre à pouvoir prononcer la parole. Faites que vous compreniez ce que nous avons entendu, effectivement, que le Dieu, il n'en a fait qu'un. Et vous comprenez effectivement que l'apôtre, si vous voulez vous lire rapidement ça, l'apôtre Paul, Pierre, dit au peuple d'Israël, regardez bien, parce que vous pouvez bien voir. Au verset 19, il dit, repentez-vous donc. Il ne s'adressait pas, vous n'avez pas entendu parler, effectivement, ça ne s'adressait pas. À quel endroit il était juif, parce que c'était en Israël, effectivement, parce que même que c'est important là, cet homme-là qui était important a pu marcher. Vous savez, acte 3. Donc il y avait un boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait toujours à la porte du temple appelé la Bête. Donc c'était donc à Jérusalem. Et vous connaissez effectivement quand Pierre, j'ai dit, mais
Regardez-nous, effectivement, il fait dire, mais nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et pendant qu'il s'est levé, marché, il le suivait, toute la vie était en émoi. Donc effectivement, ben, il dit, mais ce n'est pas par notre propriété, mais c'est parce que c'est par la foi au nom de Jésus-Christ qui est sur la famille. Donc maintenant, il est fait à ce peuple d'Israël, les Dieux qui étaient à Jérusalem, il leur dit, il leur dit, donc à ceux-là qui étaient à Jérusalem, le 19, il dit, répentez-vous, répentez-vous. Mais je vais lire à partir du verset 15, il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que par chef. Ce n'est pas à nous que ça s'adresse, hein? C'est bien à Israël, non? Aux Juifs qui l'ont crucifié. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous comprenez? Amen. Et puis il dit, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ le Seigneur doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez lorsqu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera excédé du cœur. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel et ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec mon père en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant su son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous, premièrement. Souvenez-vous encore quand Paul et Barnabas ont été rejetés? Il dit à vos juifs, mais c'est à vous, premièrement, cette parole a été envoyée. Mmh. Et puisque vous êtes indigne, vous la rejetez, que vous êtes indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. D'accord, à vous, n'est-ce pas vrai? Mmh. Et cette écriture, effectivement, comme vous l'avons entendu, effectivement, dit, jusqu'au temps de rétablissement des toutes choses. Vous avez entendu? Rétablissement des toutes choses. Dieu a parlé. Donc, il y a une chose que nous devons comprendre, frère. Donc, il y a un temps par lequel, effectivement, Dieu travaille avec les nations. Il faut qu'il termine son œuvre avec les nations pour se tourner vers Israël. Mais avant de se tourner vers Israël, il faut que l'œuvre soit achevée parmi les nations. Donc, parmi les nations, qu'il y ait aussi la restauration. Oh, mon jour de Pentecôte. Voilà pourquoi il fallait un ministère prophétique. Restauration. Amen. Pour que l'église des nations soit aussi restaurée, afin qu'elle soit comme au jour de Pentecôte. Et en son sein, effectivement, ce qui a été effectivement au jour de Pentecôte est vivant la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, voyez-vous, nous sommes dans une phase tout à fait particulière pour l'église. Et là, il faut que nous puissions comprendre une chose, c'est que aussi bien que la restauration doit avoir lieu pour Israël, certainement la restauration doit avoir lieu aussi pour l'église des nations. Amen. Et la preuve, c'est que vous et moi, nous avons eu la grâce de voir que dans ces temps du soir, Dieu a pu envoyer un prophète avec un ministère de la restauration, Amen, nous ramener. Alléluia. À la foi. Mais le problème, c'est qu'on est devenu fanatique. Le prophète a dit. On a commencé à tourner autour du prophète. On a bien compris. Et quand on prêche, on parle comme ça, on le déteste. Parce que, oh, il n'a pas parlé prophète, il n'a pas fait les citations. Frères et sœurs, il faut que le peuple de Dieu comprenne ce que Dieu est en train de faire. Moïse était un puissant prophète. Mais combien de fois, je vais vous demander d'aller dans les saintes écritures, effectivement, là où l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a cité combien de fois Moïse, dans cette prédication. Lisez quand même les écritures, ouvrez les yeux, comprenez, frère. Il était combien de fois à titiller Moïse la prédication. Tu peux compter 2-3 fois. Mais toutes les fois,
foi, c'était toujours Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il n'avait rien compris, les hommes. Il connaît pas Moïse, les pharisiens. Moïse a dit, mais ces jours-là, sur la montagne de la transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse. Alléluia. Amen. Les deux grands prophètes. Pierre a dit, le son toi tant ici. La voix vient d'aimer. Elle a couvert et puis il a regardé plus de Moïse, plus de Élie. Qui s'est passé à Élie? Celui-ci est mon fils. Amen. Amen. Dans lequel j'ai été placé, écoutez-le. Amen. C'est celui dont Moïse avait parlé. Le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'autres vos frères et prophètes comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous n'irez pas Moïse à dire, vous l'écouterez. Amen. Parce que celui-là, c'est le Dieu de Moïse. Amen. Celui-là, c'est la parole même faite chair. Moïse n'était pas la parole, mais Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Donc, là, maintenant, nous pouvons voir effectivement l'importance que le prophète a écrit que. Qu'est-ce que. Je vais terminer le fait, ça. Qu'est-ce que, qui fait que nous, avec les circoncis, nous qui étions dans des circoncis, que nous deux, nous devenons un. Qu'est-ce qui a fait les liens, frères? Est-ce Moïse? Non. Donc Moïse n'a pas fait les liens. On nous a dit que par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il est notre Père, Jésus-Christ. Donc, ce qui a fait que nous soyons amenés à être un. C'est Jésus-Christ. Amen. Seuls Israël qui l'ont reçu comme leur sauveur prédestiné, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, tant parmi les juifs que parmi les païens, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc à ce moment-là, ils sont tous nés de Dieu. Et c'est pour dire, mes pères, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, frères et sœurs, je termine par la règle des gars. La parole et la restauration, effectivement. Mais quelle est la vie qui est dans la parole et celle qui a donné, effectivement, aussi cette bonne en fait, condition du corps, effectivement, comme on parlait effectivement, de l'Église, effectivement. Qui est celui qui a donné réellement cette vie? Mais depuis que les saintes écritures, les prédications ont eu à pouvoir être annoncées, On nous a parlé effectivement de celui par qui effectivement nous avons obtenu le pardon de nos péchés, par le nom duquel nous sommes donc justifiés. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait aux yeux de Dieu, c'est comme si on n'avait rien fait. Amen. Justifié par la foi en Moïse. Non, par la foi en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le lien, effectivement, de la perfection en réalité, c'est que de l'unité, c'est bien Christ notre Seigneur. Amen. Donc, maintenant, effectivement, puisque les églises ont été dans l'abandon, effectivement, ils ont eu à voir prendre d'autres noms, de Père, Fils et Saint-Esprit, effectivement, mais aussi ainsi. Donc, il fallait que l'église soit ramenée au lien principal, qui est ici. Et les circoncis et les incirconcis, c'est en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 3, afin qu'il vous soit envoyé Jésus. Il dit bien, Actes 3. Vous comprenez effectivement ça. Actes 3, il dit, Actes 3, verset 19, il dit ceci. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de l'affaississement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Amen. Amen. Donc maintenant, Jésus-Christ sera prêché parmi les nations, parce qu'avant c'était effectivement des dons et des créneaux qui ont été prêchés, il faut que Christ soit ramené à sa place. Amen. C'est pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ a été donc ramené sur le champ de vie. C'est pourquoi, mais il y a la foi dans la parole de Dieu. Frère, le message, ce n'est pas des citations. Le message, ce n'est pas des répétitions. C'est le retour à la foi originale. C'est le retour à la foi dans la parole du Seigneur. Celle qui a été prêchée par le Seigneur lui-même. Celle que les apôtres ont cru. Celle qui a fait que les Saint-Esprit viennent. Parce que le sort, Dieu sait ce qui est à lui. Donc le retour à quoi réellement la parole comme les disciples ont cru. C'est ça. Amen. Revenir à la vérité, mon frère. Pas aux erreurs. C'est
ça le message. Donc, maintenant, qui devient la personne principale? Ce n'est pas William Malin, ce n'est pas le manifesté, ce n'est pas un prédicateur. Non, non, monsieur, c'est lui le prédicateur. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Le peuple doit le connaître, mon frère, parce qu'il est celui qui nous a ramenés dans l'unité, mon frère. Nous étions sans défense, sans force en Dieu. Étrangers aux alliances et aux promesses, mon frère. C'est pourquoi ce même Jésus doit être prêché parmi les nations et aussi parmi les Juifs. Voilà pourquoi, je termine par la fin. Voilà pourquoi, frère, il est parlé de la restauration, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est parlé qu'il y aura deux témoins qui devront aller en Israël. Quand est-ce que cela va-t-il se passer? Quand l'épouse sera partie. Amen. Tout le temps de la restauration, l'épouse restaurée et la vie maintenant manifestée. J'ai dit à l'épouse. Alors maintenant, ce sera le temps que les deux témoins maintenant aillent là-bas. Vous avez vu leur nature, non? Vous avez vu leur nature, non? Élie. Parce que quand on parle de la restauration, c'est toujours le ministère d'Élie, non? C'est l'esprit d'Élie depuis. En Israël, lorsque les enfants d'Israël étaient donc égarés, ils parlaient ici et ici, vous dites, jusqu'à quand? Alors je vous de côté. Vous savez, non? Si l'éternel est l'éternel, allez à lui. Si c'est mal, allez à mal. Le prophète de Baal, on chante, on crie, on prophétise. Votre attention, s'il vous plaît, vous allez manger tout à l'heure. Je vais vous laisser manger. Mais souvenez-vous, frère, que vous serez jugé un jour. Maintenant, vous courez vite, vous ne faites pas attention, hein, vous vous occupez des choses, effectivement. Mais les jours où vous mourrez, tous ceux qui vous occupez maintenant, ne seront pas avec vous dans le cercueil. Vous partirez tous. N'ayez pas dit, Seigneur, tu sais, j'étais là, je vais m'occuper de ça. Non, dis, mais tu étais assis dans cet endroit. Tu entendais la parole, tu n'as pas prêté attention. Mais là, c'est fini pour toi. Et ça, ce que nous devons prêter attention, savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec nous? Où est-ce que nous allons? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est important, mon frère et ma soeur, que Dieu nous accorde vraiment la grâce de pouvoir. Amen. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que le deux témoins, et le jour, effectivement, où Israël était. Alors, les prophètes de Baal ont prophétisé, ils sont rentrés pour le testament, ils ont envoyé des instruments. Ils ont profité, effectivement, pour prophétiser, effectivement, dit, mais priez plus fort, peut-être, parce qu'il dit, mais le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Priez plus fort, peut-être qu'il est parti en voyage, où il dort, effectivement, il détend. Il dit, mais peut-être qu'il est parti en voyage, criez fort, ils ont crié mal. Il dit, mais peut-être qu'il dort, réveillez-le. J'aime cet homme. Il connaissait sa position, il savait que son Dieu était avec lui. Et ils ont tout fait, qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils ont terminé, effectivement, il a dit, peuple, approchez-vous de lui. Il s'approcha de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli. Amen. L'autel était renversé, il a rétabli. Amen. Et il a offert, effectivement, les choses selon le sel des Écritures. Donc, l'offrande devait d'abord être lavée. Et ils n'ont pas pu faire ça. Ainsi donc, Dieu a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Seigneur, éternel, réponds-moi, éternel. Alléluia. Qui sache, Israël, que tu es le Seigneur, mais que c'est toi qui ramène leur cœur à toi. Amen. Vous voyez ça? Amen. Et les deux témoins, d'après ce que les Saintes Écritures montrent effectivement par l'inscription, c'est ça Élie et Moïse. C'est à ce moment-là, mon frère, en Israël, le même Jésus qui vous est prêché. Le Jésus de la Bible, pas des églises, de la Bible. Même évangile, frère et soeur, même évangile, ça va prêcher en Israël. Démontrant que Jésus-Christ est vraiment le même hier, aujourd'hui, tellement. C'est bien lui le Messie, c'est bien lui qui qu'on doit voir placé sous le piédestal plus haut, plus élevé, parce qu'aucun homme ne peut sauver nous. C'est pourquoi on n'est pas appelé à. J'ai beaucoup. Merci Dieu, parce que mon frère priait, vous parlait effectivement, en disant, mais nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut nous apporter? Nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. Je sais que les hommes, Dieu utilise des hommes. Mais si Dieu n'utilisait pas ces hommes, ils seront sa valeur. C'est vrai. Peu importe le don, le ministère que l'homme peut avoir. Si Dieu n'utilise pas, il est sans valeur. Donc nous avons besoin de pouvoir focaliser nos regards, nos pensées. Sur Jésus. Amen. C'est le temps, mon frère et ma soeur. Je termine. Le temps tire donc à sa fin. Tu as tellement joué, frère, à l'église.
tu as tellement joué, ma soeur, à l'église, tellement joué, hein, je partirai, je m'en irai, effectivement. Mon frère et ma soeur, es-tu vraiment certain? Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, parce que faut pas faire perdre le temps là, des frères, des hommes qui viennent effectivement, qui ont soif de votre Dieu, tu es là, tu je crois, mais en fait, en réalité, tu n'es pas dans la chose. Quand tu n'es pas à ta place, c'est de la place à la personne. Vous savez, frère, je ne sais pas, mais ça c'est ce que nous devons comprendre aussi que. Dans les choses de Dieu, dans l'église de Dieu, il y a de l'ordre. L'ordre doit être. Dieu ne travaille pas dans les désordres. On doit travailler effectivement selon la parole de Dieu pour aider ceux qui ne sont pas encore affermis, afin qu'ils soient affermis. La question, ça va, mais savez-vous vraiment que le Seigneur a aimé? Sa venue est aussi certaine que celle de Amen. Savez-vous vraiment que le Seigneur revient bientôt? Frère et soeur, je fais mon lit pour vous aider. Frère et soeur, madame, mademoiselle, monsieur. Même quand quelqu'un commence à bâtir une maison, un jour il va la terminer quand même. Amen. Pensez-vous que l'histoire des nations et l'Église vont continuer jusqu'au bout? Toujours comme ça que Dieu va laisser Israël dans cet état. Non, il a fait des promesses. Absolument. Qui n'abandonnera pas la postérité d'avant. Non, monsieur. Parce que c'est le Dieu d'avant, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, monsieur. Il a un temps tourné le regard vers les nations. Pour un petit temps. Vous savez, nous, quand on regarde, 1900, un an, 2 ans, puis 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. Pour un temps, pour une période de temps, et puis je tourne encore de l'autre côté là-bas. Et c'est ça que nous devons savoir. Quelle heure il est? Où est-ce que nous en sommes? Quel est temps, frère, pour l'amour de Dieu, sœur, cessez de jouer à l'église. Ne faites pas de vos églises, effectivement, que vous êtes sortis comme les catholiques partout, effectivement. Ici, il ne s'agit pas de le faire comme c'était dans les églises, nous sommes sortis. Ici, il s'agit de pouvoir faire les choses selon la parole de Dieu. Amen. Être l'organisme vivant, en fait. L'église, ce ne sont pas les pierres que nous voyons passer. Les autres églises, ah, c'est notre église, c'est mal les bâtiments. Non, l'église, c'est vous. Amen. On ne peut pas avoir un bâtiment, frère. On peut même prier à l'extérieur. Jésus-Christ enseignerait là. Amen. Les apôtres n'avaient pas un bâtiment qui était sur les portes. On n'arrive pas à former la table, entrer en prêche-t-on. Partout y passer. Alléluia. Amen. Mais contre, parce qu'il y en a plus à l'extérieur, on a besoin de cet abri. Mais ce ne sera pas ça. Notre église, non. L'église, c'est vous en fait. Amen. Alléluia. L'habitation de Dieu en l'esprit. Amen. Êtes-vous vraiment cette église-là? Parce que ce n'est vous dont le Saint-Esprit. Il a jeté le regard parmi les nations pour choisir un bâtiment. Non, monsieur. Un peuple. Dans lequel va mettre les mains son nom. Il a dit, ah, soyez soumis à vos maris. Comme au Seigneur. N'est-ce pas bien? Car l'Église aussi est soumise à Christ. Amen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette église est soumise à Christ? J'ai dit que je ne vais pas ouvrir pour ne pas vous faire peur. Pourquoi est-ce que cette église est soumise à Christ? Vous avez vu l'église, effectivement, toi, Seigneur, tu es obligé, parce que je pense que tu ne sais pas ce que tu fais. Non, l'église a une soumission. Ouais. Elle ne peut même pas avoir une pensée de dire quelque chose au Seigneur. Simplement, elle se dit maître. Et le Seigneur n'a jamais construit son église comme étant esclave. Non. Parce que la Bible dit qu'il a donné sa vie pour son église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, en fait, pourquoi? Parce que quand on parle de soumission, le frère, le chinois, le... ah, c'est monsieur, il vient de quel pays, il vient de quelle tribu, j'en sais rien.
Mais la soumission, c'est la soumission. Amen. Madame, quand tu n'es pas soumise, effectivement, eh ben, tu n'es pas dans le programme de Dieu. C'est la nature. Une fois, aujourd'hui, on fait de nos sœurs des hommes. N'acceptez pas ça. Il faut qu'on puisse voir que je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas faire. Ça ne sert à rien. Tu es toujours une femme. Une femme, c'est la tendresse. Amen. Une sœur, tu ne peux pas arriver à moi. Quand je vois les ils ont des muscles. Qu'est-ce que moi, l'homme, j'ai besoin des muscles de la femme? J'ai besoin de la tendresse de la femme. Amen. Amen. La oreille, tout ça, ça, c'est tout. Ça, c'est l'homme. Et toi, c'est tout. On tient ton corps, on sent la douceur. Dieu t'a fait comme ça. Il ne cesse pas être masculin. Sois féminin. C'est merveilleux. C'est comme ça qu'il dit de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme a été tirée de l'homme. Amen. La femme est une partie de l'homme. Donc, quand il se soumet à l'homme, elle retourne à sa place. Amen. Comme l'église est une partie de Christ, elle retourne à Christ, elle revient dans le corps de Christ, elle se soumet à Christ, sans problème. Oui, monsieur. Il ne va pas s'appeler à dire, mais j'en ai assez, écoutez, si ça crée, effectivement. Non, monsieur, l'église prend plaisir à la parole. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'église parole, l'épouse parole. Elle est une partie de la parole de Dieu. Elle ne peut pas renier sa nature. Donc, elle est retournée à sa place. Alors, à ce moment-là, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère sa parole, considère ses promesses, garde-les notre allié, tu verras ses merveilles, les cheveux de vos têtes sont Notre Père, notre Dieu, ce matin nous voulons te dire encore merci, mon roi. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom encore, notre Père, pour la grâce que tu réellement à toi, mon Maître béni, d'avoir entendu réellement ta foi, mon sauveur, de pouvoir voir réellement combien tu es tellement merveilleux, Père. Gloire à toi, tu es merveilleux, Père. Oh, pour ce que tu fais, c'est le Père, mon Dieu. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon précieux.
pour cela. Oh, merci pour la vie, Seigneur. Oh, dis encore pour un moment. Il guérit encore mon Père. Il guérit encore mon Père au nom du Père. Louons notre Seigneur Jésus pour toi. Merci encore, mon roi. Oh, tu remplis les frères, mon bénévole Père. Tu réjouis encore les âmes pour les frères. Ta parole est résidente de leur Père. Louons, je vous prie, Jésus qui se trouve sur ça. Et lui soit ton Seigneur. Nous croyons ta parole. Nous sommes heureux d'être à toi. Et nous sommes consolés. De savoir que tu es vivant. D'avoir que tu marches en procès sans délire d'or, et de vos cœurs. Et dans cet âge, tu agis encore, Père. Alléluia. Moi, au Seigneur Jésus, mon Seigneur. Béni sois-tu encore au nom du Père. Apporte la grâce à mon frère, la grâce à ma soeur. Et nous prenons en ce temps, Père. Oh, Seigneur, merci.